Nos héros s'extirpèrent peu à peu du sombre méandre de l'en dessous. Ils débouchèrent alors sous un magnifique ciel bleu, de l'air pur, enfin. Ils avaient atteint le monde paradisiaque de l'au-delà, royaume de Papibi. Là, par là, les innombrables nuages du roi les attendaient. Nos héros se lancèrent alors dans la longue ascension de nuage en nuage. Et donc bonjour à tous, ici Cosmo Rêve, on se retrouve sur Super Paper Mario, épisode 19, chapitre 7-3, le fruit défendu. Et waouh. Waouh. Au ciel grand ose, au merveilleux nuage, vous êtes si cher à mon cœur. Continuez à monter, nous atteindrons vite l'au-delà, hâtons-nous. Oui, c'est très bien, mais nous devons d'abord trouver Peach. Je m'inquiète pour elle. Elle va bien, je veux dire, c'est Peach, elle se sortira très bien. Daignez-vous m'éclairer, cette Peach est-elle promise à Mario? Ben, c'est délicat, mais on ne peut pas vraiment l'appeler sa petite amie. Oh, c'est ainsi. Mais cette demoiselle semble tenir une grande place dans son cœur. Aurions-nous là un amour qui ne serait point des réciproques? Mais fil de ces broutilles. Vous êtes trop lent. Le soleil va se coucher et je vous saurais gré de vous remuer un peu. Bon, nous voilà dans les escaliers de l'au-delà. Donc, escalier numéro 1. D'accord. Je voulais vérifier un truc. Mais au moins, il fait beau. On est sur des nuages. C'est énorme. C'est énorme. C'est beau, c'est éclairé, c'est... On peut... Oh là là. C'est... Oh là là. J'adore. Très très beau. Perso, j'adore beaucoup ce monde. Regardez, il y a même la petite animation quand tu marches sur les nuages, les petites fumées de nuages. J'adore. J'adore, je suis fan. Tête de cul. Merci. Et niveau supérieur, attaque plus 1. Encore plus de puissance. Toujours plus. Que demande le peuple? Hop. Voilà. Y'a quoi par là? Ah d'accord, y'a rien. Bon, très bien. C'est pas grave, je voulais juste vérifier un truc vite fait, mais... Est-ce qu'on l'attend ou pas? Non, c'est bon, il est là. J'adore ce jeu. Ok, alors là on n'a pas le choix, on a obligé de prendre Luigi. Non merde. Je voulais prendre Luigi, c'est pas grave. Tac. Allez vas-y. Remonte-moi vers le haut. Plus vite. Fais gaffe. Voilà. Ok. Donc, voyons ça, l'escalier. Tête de cul. Tu meurs. Ah. Je croyais qu'il y avait quelque chose. À moins qu'il faut aller dans le passé. Tiens, regarde. Parfait. Merde. D'accord, personnage. Luigi. Très bien. Ok. Ouais. Oh. 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 Wow. Ils sont sérieux? Même le Soul Luigi, il est plus petit. Yala, yala. Ah. De toute façon, on est obligé de sauter comme ça de nuage en nuage, hein. On n'a pas trop le choix. Non! Ok. Oh, j'ai réussi à esquiver de près. Content. Aïe. Là, il n'y a plus rien. Hop. Eh, je vais aller voir ce qu'il y a par là. Il n'y a rien. Bon. Allez.
fin de l'escalier 1. On passe la porte et on arrive à l'escalier numéro 2. D'accord, là on tombe. Donc bienvenue sur l'escalier numéro 2. Avec plein de champignons qui veulent vous tuer. Rapide. Oula. Merde. Ah. Ah mais. Il y a tout le temps de ces champignons de merde. Ok. On revient à la normalité. La banalité, la normalité. Ah, une sauvegarde. Je veux bien. Ok. Hop, on évite tout ça. On saute. Ah, sauter. Ah non, non, non. Je vais redescendre déjà. De 1. Moi, je veux découvrir. Je veux redécouvrir. Étage par étage. Couche par couche, comme on dit. Voilà. Là, tu vois, il y a des cases, il y a des trucs à prendre. Aïe. Tu fais mal, toi. Et je t'ai eu. J'ai envie de voir si j'ai autre chose à voir. Bon, d'accord. Le chien. Bon, je crois que j'allais me faire avoir. Ok. À toi de crever. Ok. Petit coffre. On a Rouge Rex. Ok. Y'a rien d'autre? Ok, y'a rien d'autre. On peut donc continuer. On avance très très bien, hein, ma foi. Hein. Aïe. Attention. Chaque fois, faut que je change entre Mario et Luigi. Des fois, c'est un peu énervant de changer à chaque fois. Tiens, y'en a. Cool. Putain, mais pousse-toi, tête de cul, là. Ok. Il ne reste plus qu'à 20 têtes de cul. Super. Alors. Ouf. Ok. Vas-y, viens là. T'es mort. Ensuite. Là. Vas-y, doucement. Fin de l'escalier numéro 2. Et on continue à monter. Nous continuons sur l'escalier numéro 3. Il y a de plus en plus de monstres, hein, c'est assez. 14. Le coup de marteau qui fait super mal en plus. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi il est blanc ? Oh ! Oh putain, mais j'allais pas la voir. Par contre, je me prends une seule de leur attaque, je suis mort. Donc on va faire personnage. Pixel. Non, objet. En 15. Ok. On va passer à part pour voir là. Et j'ai ça. Un fruit au goût étrange trouvé dans le là. Ah, peut-être qu'il fallait obligatoirement prendre ces objets-là.
tout cas, il n'y a rien d'autre. Donc, on va repartir. Et il n'y a plus rien à aller voir là. Ok, on a les fruits défendus. Bon. Je sais pas à quoi ça va nous servir, mais si on les a récupérés, c'est pour une bonne chose. Donc, on garde avec nous, ça peut servir, on verra. Toi, tu crèves, voilà. Tête de cul, là. Ok. Hop, on récupère 10. C'est mieux, créer un. D'accord. Ouais. On doit aller où? On monte. Ok. Donc nous sommes de l'autre côté. Et nous sommes revenus au début. Ok. Mais je suis sûr que j'ai pris le bon chemin. Faut juste que je fasse attention de ne pas tomber. Et apprendre. On recommence. On remonte. Tac. 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 Si j'avais eu Peach, ça aurait été plus facile. Ok. Et on monte toujours plus haut. Le pire, c'est qu'il s'est bien visé ces conneries là. T'envoies tes ultrasons dans la gueule. La fin de l'escalier numéro 3. Cool. Allez. On avance très très bien. Donc on arrive sur l'escalier numéro 4. Il y a deux endroits. Fais chier toi. Ok, toi aussi t'es mort. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Regarde ça. Ok. Ah. Ah. S'en fout de ça. Moi j'adore vivre dans la difficulté. Attends, il a repoussé la pomme pas? Non, il a pas repoussé. Bon, ça nous en fait deux. Alors je sais pas à quoi ça sert ces pommes là. S'il y a vraiment un... S'il a vraiment quelque chose de... Si c'est vraiment très intéressant d'avoir. Bon. Moi je prends, hein, et je sais pas si je les bouffe, ça va faire différents effets sur moi. Je vais vérifier quand même si le troisième fruit n'a pas repoussé. Ça se trouve il a repoussé ou sinon il n'y en a plus du tout. Ah si, il y en a nouveau. Alors, je pense qu'en manger une ne devrait pas me tuer. Ah, mais ça regène. Et le bleu. D'accord. Donc en fait c'est des fruits qui me regènent. Ah mais ok, donc c'est pas... Je croyais que c'était des fruits qui allaient avoir une importance dans l'aventure. Mais bon, si on peut les manger, ok. Et en plus ça rend des points, regarde je suis revenu full vie donc c'est cool.
Donc là, je suis de l'autre côté. On va prendre le deuxième. On monte. On a une sauvegarde. On va aller voir ce qu'il y a dans cette porte. Qu'est-ce que nous avons de ce côté? Tiens, Peach! Mario, regarde! C'est Peach! Princesse Peach, eh oh! Princesse Peach, eh oh! Réveillez-vous, princesse! Elle dort. Oh, je rêve, c'est trop nul! Debout! Elle dort. Ouais, quand elle dort, hein! Pourtant, j'y suis pas allé à fond sur le cri! Je suis allé à fond sur le cri! Voici donc la fameuse Princesse Peach. Malédiction, elle a visiblement mangé un fruit doré, la fouille de sa part. Fruit doré? Ah, Adam et Ève. D'accord. Le fruit interdit. L'au-delà, pompe d'arbres de propriétés magiques dont les fruits provoquent moult effets. Le fruit qui arbore une robe dorée procure un apaisement tel que le gourmand s'endort. Tel profondément les insommés dont on ne se réveille pas avant 100 ans. Avant 100 ans? C'est une blague. Bon, je suis du genre patient, mais à ce point... Phoebe, il n'y a aucun moyen de la réveiller plus tôt. Bigre voulait que je... peut-être que ces paroles que mon père reviennent à ma mémoire, il m'avait parlé de ce fruit tabou qui avait le pouvoir de réveiller quiconque. Un fruit tabou? Mais quel genre d'arbre peut donner des fruits pareils? Comment saurais-je? Donc nous devons partir à la recherche d'un genre de fruit bizarre, génial. Ne restons pas là de rien faire, allons chercher tous les fruits qu'on peut trouver. Princesse Peach, ils semblent tous vous porter une grande estime. Faites que ce qui vous chante, mais je vous aiderai point, je boude. Elle est jalouse, hein. Et c'est un peu bleu. Je crois que ce n'est pas le bon. Oui, c'est bon. Où suis-je? Princesse Peach, enfin vous êtes réveillée. Que m'arrive-t-il? Aidez-moi. Elle s'est endormie. Je pense que ce n'était pas le bon fruit. Oh putain, la gouine. Oh, elle fait chier, elle. De toute façon, elle peut tout lui arriver, hein. De toute façon, toujours pareil avec elle. Elle est emmerdante, c'est vraiment... Dans tous les jeux, de toute façon, c'est une boulet, cette fille. C'est une vraie boulet. Soit elle est kidnappée, soit elle est endormie, il faut la réveiller, il faut chercher dans tout le niveau des pommes qui fonctionnent sur elle. Faut vraiment être con à ce point, quoi, c'est chiant. Elle m'énerve, Peach, des fois, elle m'énerve. Mais elle m'énerve, mais elle m'énerve. Elle est étranglée, des fois. Cette princesse bitch qui sert à rien, quoi. Putain... J'appelle ça un boulet monumental, quoi. Cool, la bouffe. Dépêche-toi, casse-toi, toi. J'ai obligé d'aider Princesse Gwyn. Voilà à quoi j'en suis réduit, quoi. Fruit orange. Quoi, fruit orange? Faire accoupler un fruit bleu avec un fruit rouge, c'est ça? Ça donnera pas un fruit orange, hein. Je pourrais aller où, moi? Attends, on va réfléchir. Bien, on va les tuer, ça va nous aider à réfléchir. Fin de l'escalier numéro 4. Donc on va continuer à monter, on va voir. Escalier numéro 5. Ah, il y a une autre porte. Il y a une autre porte, c'est pas normal. En goûter une.
Ok. D'accord. Putain. J'aime pas quand j'appuie sur haut sans faire exprès. On va retourner voir Peach. Je pense que le fruit rose qui va mieux avec son teint devrait marcher. Vraiment être con pour la princesse du royaume champignon pour ne pas aimer la couleur rose. Tellement crédible. Les fruits dont les designs ressemblent à des couleurs de filles, c'est forcément le bon. Et oui. Faut être con à ce point. J'aime pas quand des fois je me prends pour un con. Ouah. Mais on est à quel escalier là? Escalier 4? Escalier 3? On est... Voilà. Dépêche-toi de monter. Allez, j'ai pas que ça à foutre. Bon. Beach, tu te réveilles maintenant. T'as assez glandé, comme d'hab. Comme dans tous les jeux vidéo, tu glandes toujours. Et tu fous la merde. Allez toi, je te dis putain de merde, mais tu vas te réveiller, merde. Tiens. Espérons que ça marche. Quoi? Pas le bon fruit. C'est pas le bon fruit. Non mais là... J'y comprends plus rien, moi je dois faire quoi si c'est pas le rose? Parce que ça me transforme en pêche, putain! Ah, ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles, ce niveau de merde. À moins que ça soit pas une pomme rose. Putain de merde. Putain, mais... Dépêche-toi, bordel de merde. Non, c'est pas des fruits oranges. C'est normalement, si je me rappelle, c'est des fruits noirs alors. Eh oui. Des fruits noirs. Et puis, ah, j'ai pas que ça foutre. Elle est où ce putain d'arbre? Ah, ça me casse les couilles. Oh, fruit noir de merde, mais vous êtes où, putain? Crève! Crève! Où est-ce que je dois aller? Je ne sais pas. Où est-ce que je dois aller? Je ne sais pas du tout. Et ça commence à me faire chier. Là, il y a une porte à droite. Et il y a aussi une autre porte étoilée qui mène où? Il y a plein de monstres. Et je suis enfermé. Je suis enfermé.
et je me retrouve avec tous ces putains de monstres. Je sais pas si j'aurais dû aller de ce côté. Je n'aurais jamais dû passer par ce côté parce que je me retrouve dans la merde. Et comment je fais pour atteindre ce monstre? Si je ne peux pas l'attaquer, il faut que je fasse au marteau. Dépêche-toi, j'ai pas que ça à foutre, car moi je veux me barrer de ce putain de niveau de merde. Ah, c'est un beau paradis, qu'est-ce que c'est beau, luminosité, magnifique, waouh. Qu'est-ce que c'est chiant. Dépêche-toi à descendre, j'ai pas que ça à faire. Quoi? Un petit sandwich au porc. Fruits noirs, bah voilà. C'est là. Donc voilà, c'est des fruits noirs. Les fruits noirs, noirs, noirs sont nos amis pour la vie. Les fruits noirs, noirs, noirs sont nos amis pour la vie. Personnage. Faut sauter. Non, faut pas sauter. C'est ça, non? Personnage Mario. Fruit noir. Ici. Ok. Donc, voilà les fameux fruits noirs. Donc voilà les fameux fruits noirs, donc ceux, les fruits qui nous donneront justement l'énergie nécessaire pour réveiller Peach la guinasse, qui sert à rien du tout, qui pue la merde et qu'on s'en branle, et je suis mort comme une merde. Super. Voilà, Peach, sincèrement, c'est vraiment la femme la plus inutile du monde. Sincèrement, plus inutile, tu meurs. Elle sert à rien dans tous les jeux. A chaque fois, il lui arrive que des problèmes à elle. Pourquoi toujours elle les problèmes? Mario, lui, c'est toujours pas de problème, hein, il les contourne, hein. Peach, elle... Oh, la fruit, j'ai envie de le manger. J'ai envie de bouffer le fruit, parce que c'est trop bien, et je m'en fous des conséquences. Voilà, je me fais violer par Bowser, je mange des fruits, je m'endors, je me fais tout le temps kidnapper, je n'arrive qu'à des problèmes, et patati, et patata. Voilà. Putain, même Zelda, elle est plus intéressante que Peach, hein, on fait la comparaison. Peach, c'est une femme qui sert à rien, quoi. C'est une servante, quoi. C'est même pas une princesse, c'est une servante. Quand tu compares avec Zelda, Zelda c'est une princesse, une vraie princesse comme on l'aime. Voilà. Peach est une vraie princesse, une véritable princesse. Voilà, une femme qui a la puissance, qui a le charisme, qui a tout, quoi. Elle a tout. C'est une femme, mais bon Dieu qu'elle est puissante, quoi. Elle est belle, elle est puissante. Voilà, c'est tout de suite plus intéressant que Peach, elle est moche. Enfin, en tout cas, c'est pas la sorte de princesse qui m'attire, hein. Personnellement, il y a des princesses dans l'univers de Mario qui sont bien plus belles, hein. Peach, c'est une merde. Non. Elle sert à rien, elle se fait tout le temps kidnapper, elle a que ça à foutre, quoi. Elle a que ça à foutre de sa vie. Elle y prend goût, de toute façon, hein, cette meuf-là. Toujours à feignarder, quoi. Allez, réveille-toi, putain. Je sais que c'est le fruit noir pour te réveiller, mais je veux voir à quoi ça sert le fruit noir. Où suis-je? Princesse Peach, enfin, vous êtes réveillée. Non, elle a une moustache. Que m'arrive-t-il? Une moustache? Un rasoir, vite! Elle s'est endormie. Je pense que ce n'était pas le bon fruit. Oui, c'est le fruit noir, le bon. Et si on se fruit, pourvu que ce soit le fruit tabou? C'est bon. On dirait qu'elle se réveille. Burk! Vous allez bien?
Yark, c'était quoi ça? Qu'est-ce que vous m'avez fait manger? La merde, comme toi. Comme tu es. Ça a marché! Waouh, Princesse Peach, vous êtes réveillée! Ah non, Luigi, tu es sain et sauf. Ah, hey, oublie pas ton petit mari, Peach. Mais où sommes-nous? Et qu'est-ce que je fais là? Je ne me souviens de rien. Nous sommes dans l'autre, la princesse Dimension vous a envoyé ici. Enfin, vous ouvrez les yeux. Vous ouvrez les yeux. Je suis Phoebe, je suis en route pour l'au-delà et ces gens me tiennent compagnie. Enchantée, Phoebe. Je suis attendue, alors pressez-vous. M'entendez pas, la princesse moisille? Ouais, bravo, bravo, voilà. Voilà, Phoebe, je la kiffe bien plus que Peach, voilà. Eh bien, j'ai dit quelque chose de mal? Ouais. Bah, faites pas attention. Vous avez dû vous faire beaucoup de soucis pour moi. Je suis désolé, mais ça fait vraiment plaisir de vous revoir. Je vais faire de mon mieux pour m'excuser de vous avoir fait perdre du temps. Ouais, bah t'as intérêt à vraiment servir, hein. Alors allons-y en route pour l'au-delà. Bon, Peach Lagoon. Avec son para, avec son truc, son parapluie, là, de mes deux. Bon, maintenant qu'on a enfin récupéré Peach, je vais sauvegarder aucun, hein. Jamais trop sûr. Mais qu'est-ce que... Planque-toi. En attendant. Si quelque chose te tombe sur la tête, ça serait dommage. Hop. Allez, vas-y. Hop. On y va. Casse-toi, voilà, prends-toi des coups. Ok. Donc on peut se rendre à escalier numéro... Non, pas de ce côté-là. Par contre, par là, on peut y aller. Et voilà, on se rend donc à l'escalier suivant. Maintenant que on n'a plus de problème avec Peach, on va pouvoir monter enfin. Maintenant qu'on n'a plus le problème des fruits. Hop. Hop. Attends. Ça se trouve, il faut changer avec Mario. Non. En fait, faut se servir de Peach. Ah, je pense que ouais. Bye. Bye, parce que sans Peach, on n'aurait pas pu continuer de façon de ce côté-là. Donc. Ah, mais. Ça m'énerve de toujours changer de perso, sérieusement. Ok. Fin de l'escalier numéro 5. Très bien. Où sommes-nous? Escalier numéro 6. Je sais pas il y a combien d'escaliers dans ce monde. Mais en tout cas, il y en a beaucoup. Attention à eux. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh! D'accord. On peut monter. Allez, vas-y, montons plus haut. Toujours plus haut. Tiens, il y a un portail. Oh! Merde. Attention. Ouais, parce qu'il y en a qui te téléportent, t'en as d'autres qui inversent tes commandes. Ils ont vraiment des effets divers. C'est cool. C'est sympa, moi, je trouve. Merde. Ah merde. Oh, il m'a inversé. Mais il aussi, il m'inverse toutes mes commandes, ce fumier là. C'est quand que... Ah c'est bon. Ok. Crève. Oui je sais, moi je suis sadique. Mais vous savez, c'est pas facile tous les jours quand on veut se débarrasser de ce décor de ses victimes. Oh non! Putain! Mais arrête, me dis t'es une merde! Putain, sérieux!
chiant, Luigi. Oh, attends. Pourquoi pas directement? Tac. Voilà. Et là, tu vois, on gagne du temps, tu vois, on est déjà là. Merci. Putain. Ah, attention à eux. Eux, ils te butent. Tu te casses. Tu retournes au début du... niveau. Ok. Ah, il est crevé. Et on a quoi là-dedans? Une éclair. J'utilise jamais ces objets-là. Je sais pas pourquoi. J'en ai jamais besoin. Ok. Est-ce qu'il y a un numéro 6 terminé? Il y a encore combien C'est quand que c'est fini, putain? T'es un vrai savon. Un crève. Ok. C'est une vraie, un vrai savon, il s'arrête pas automatiquement par rapport aux autres, lui il glisse en fait. Parfait. C'est quoi ça? Un champignon vie. Cool. Ok, on s'approche. Tiens. Ça y est, c'est la fin? Entrons. On va voir ce que nous avons. Oh! Qu'est-ce que nous avons ensuite? Y'a quoi? Qu'est-ce que c'est? Hein? Sous de ma gueule. Non. C'est impossible. Je peux pas avoir fait tout ce chemin pour venir depuis le début. Je peux pas. Non, je peux pas. À moins qu'il soit obligé. Et dans ce cas-là, il fallait pitch. Parce que là, je peux pas y aller là. Moi, je suis déjà allé là. Attends. Ouais, je suis déjà allé là. Ah, il y avait des fruits rouges. Donc, je ne suis pas du tout au bon endroit. Perdu là, putain de merde! Chier. Bon, réfléchissons.
Mais je sais pas. C'est bizarre. Mais si... Je sais pas. Je sais pas. Attends, on va retourner au tuyau. Peut-être que j'ai raté un truc. J'ai forcément raté quelque chose. C'est obligé. Il y a un truc que j'ai loupé, je sais pas. N'importe quoi, mais... Il y a un truc que j'ai forcément loupé. Et je voulais en être sûr. Attends. Salut Shinabus, le petit nuage, content de faire ta connaissance. Je rêve de devenir le grand nuage du ciel. J'ai entendu parler d'un type qui pouvait grandir rien qu'en mangeant des champignons. C'est ça que je veux. Ce serait trop cool si quelqu'un me donnait un truc comme ça, pomme rouge. Je vais devenir trop grand. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais. Ça y est, je suis un nuage géant. Dorénavant, je veux qu'on m'appelle Meganabus. Fini le petit nuage timide. Et qui dit méga nuage dit méga saut. Sautez, vous verrez. Wow. Oh. Nous revoilà dans le monde, tu sais, le monde de l'espace. Fin Escape 7. Ah putain, elle est marrante. Elle est marrante celle-là. On me l'avait jamais faite. Enfin, on me l'avait déjà faite, mais on me l'avait jamais refaite. Bon, entrons. On dirait qu'on est arrivé au temple. C'est bon, on est arrivé à la fin. Fin de l'escalier de l'au-delà, l'au-delà est au-delà. Ah. D'accord. Peach. Hop. Et voilà. Et voilà, nous voilà en possession de... de cela, donc ça fait plaisir. Je vous dis vraiment, ça va me tuer hein. Ça va me tuer ce bordel pas possible, mais bon, on a réussi, c'est vraiment génial. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si elle vous a plu, et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Donc salut tout le monde.